Voilà, le jour se lève tranquillement. Bonjour à tous et à toutes. Je retourne donc à la concession de Troyes pour cette fois-ci avoir le rendez-vous. Enfin, le rendez-vous, non, l'entretien, je veux dire. Et je vous montre sur l'application du smartphone 100% de recharge qui s'est terminée à 1h44 du matin. Ça va très vite. Sur la prise Screen'Up, 234 km, vous comptez entre 230 et 240 km, il gèle, il fait moins 7. La voiture a 104 500, on va dire 105 000. Elle est branchée, confort. Et là, je vais utiliser pour la première fois le système. Le système pour permettre à la voiture d'être prête quand je vais partir. Voilà, j'ai réglé sur. J'espère qu'on voit bien. Ce 8 heures, je pars à 8 heures. Je valide. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Sur l'écran, il n'y a pas grand-chose de plus. Votre véhicule sera préconditionné pour 8 heures. Alors, normalement, on devrait entendre un bruit. Hein. Est-ce que c'est un quart d'heure avant, 5 minutes avant, je ne sais pas. Je pense que ça va être un quart d'heure avant. Il est moins 20. 8h moins 20. Alors la révision, je l'ai raccourci. Je le dis, hein, bon, je ne me gêne pas. Hein. J'ai modifié certains éléments, j'ai supprimé, que j'ai trouvé inutiles, hein, à mon goût. Sachant qu'une électrique, il n'y a pas beaucoup d'entretien. Il n'y en a quasiment pas. À part les entretiens vraiment importants. Purge du circuit de freinage. Changement de liquide de refroidissement du moteur continental, moteur électrique. Le remplacement de la batterie 12 volts, que l'on peut faire soi-même. Mais bon, je fais faire. Et c'est ce qui va être fait d'ailleurs. Et le changement du filtre d'habitacle, que l'on peut faire soi-même, mais que je fais faire aussi. Et le reste, c'est les entretiens, bon, vérification du calculateur, vérification ceci, cela. J'ai décidé de faire autrement. Alors, on voit. Je sais pas si on va bien voir. Hein. Le jour se pointe tout doucement, même si les jours rallongent. On est le 22 janvier. Le pare-brise a gelé, mais pas trop encore. Il n'y a pas beaucoup d'humidité dans l'air. Enfin, ça devrait plus tarder à se mettre en route. Ah, c'est bien, ça c'est le côté pratique de l'électrique. Hein. La voiture est toujours branchée. Hein. Donc normalement, ça doit venir du secteur directement. À moins que ça vienne de la batterie. Ça. Bon, toujours rien. Ça fait 10 minutes que la programmation est lancée. Non, j'ai programmé pour 8 heures, voilà ce que je raconte moi. Il est 8h moins 5, c'est ça que je voulais dire. Je pensais que ça se mettrait en route à 8h moins le quart, ensuite 8h moins 10, 8h moins 5. Alors comme ma pendule est radiopilotée, c'est précis, c'est aussi précis que la pendule que l'horloge de la voiture. Hein. Parce que je regarde sur une pendule au mur. Bah, j'entends pas grand-chose qui se passe. Hein. Il est quand même moins 5. Et quand j'ai appuyé sur l'icône bleue de ce programme intégré au smartphone, il y a eu un message, un beau message en rouge, message d'alerte, comme quoi ça c'était pas pris en compte ou ça fonctionne pas. Étonnant, hein? Ni moins 5. Je m'en vais à 8 heures. Je programme une voiture pour qu'elle soit prête à 8 heures. Température de confort et tout ce qu'il faut. C'est censé fonctionner. Parce que quand la pompe à chaleur se met en route, au début, quelques secondes au départ, ça s'entend. Hein. Compresseur se lance, ça fait beaucoup de bruit. Eh ben, il se passe pas grand-chose, il est moins 5 toujours, hein.
Elle n'est pas restée en heure d'été, la voiture, non, c'est pas possible. Je ne comprends pas. Non? Parce que là, c'est bien gelé. Hein. Qu'est-ce que ça fonctionne bien? Eh ben, la méthode à l'ancienne, puisque ils n'ont pas conservé le bouton de chauffage sur la nouvelle Zoé. Eh ben, heureusement qu'elle est ancienne, qu'il la possède encore, cette fonction sur la télécommande. Hop, manuellement. Voilà. Et là, ça va fonctionner. Oh, c'est quand même incroyable, ça. Remplacé par un système qui ne fonctionne pas. Si c'est par logiciel, ce sera toujours buggé, de toute façon. C'est du Windows, ben, c'est le même principe, hein. Voilà, là, se lance, impeccable. Une commande simple, voilà, accessible, avec des vraies ondes qui passent à travers les vitres. Et la voiture comprend parfaitement, elle n'a pas besoin de décoder le message. J'entends, c'est parti. Voilà. Je vous fais entendre, hein. Là, elle fait un sifflement aigu au début, ça dure quoi, 5 secondes, puis après, lance la climatisation, enfin la pompe à chaleur à fond, hein, parce que là, il y a besoin, hein, vu la température qu'il fait dans la voiture, elle doit être toute gelée. Ben, il a fallu que je lance avec la télécommande, il est 8 heures. Voilà. Je reprends après.